Allez, juste avant que la vidéo commence, si toi aussi tu veux me soutenir, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça soutient énormément. Tu te rends dans la petite boutique d'objets de Fortnite, soutenez un créateur, T.E.E. Casédieu, tu fais fouiller. Et voilà, on n'en parle plus, je vous souhaite une bonne petite vidéo. Wesh les gars, c'est Tixi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Comme vous le savez, il y a 2 jours, il y a la mise à jour d'Halloween qui est sortie. On avait fait une petite vidéo en mode Battle Royale, mais j'ai lu les commentaires et j'ai oublié un truc très important les gars. Il y a le nouveau pompe, je crois que ça s'appelle pompe à pieux, et le lance-roquette citrouille qu'on peut obtenir. Il y a une seule façon de l'obtenir les gars, il n'y en a que un sur toute la map. Il faut aller tuer le boss qui se trouve ici, à Brawler Patch, et il n'y en a que un. Par contre, il y a 15 000 personnes. Par contre les gars, ce pompe il se trouve que en non classé. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis en classé et je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est pas grave, on va faire de la non classée. Mais c'est dommage parce qu'en non classée, il y a pas mal de bots. Et je pense qu'en une reel, le pompe il aurait été trop fort les gars. Parce que déjà le pompe il est trop fort, en une reel ça doit être une dinguerie. Enfin je comprends rien, ils sont où les mecs? Oh la ville elle est stylée par contre. La ville les gars elle est incroyable hein. Ils ont mis des petites éoliennes et tout. Oh j'aime trop, vraiment je suis fan. Il y en a ils vont dire ouais c'est pas un truc de fou. Mais les gars, c'est une mise à jour Halloween hein, c'est pas une nouvelle saison. Ils auraient pu ne rien faire. Oh, y'a... Je l'ai pas tué. Quel ami, il est pas mort. Pourquoi on tire des roquettes, là? Oh, il y a de l'eau, des fous. Ok, bon, en plus, il y a la musique qui me pète les oreilles. Ok, ça va être compliqué, là, les gars. On n'a pas beaucoup de vie. Oh, je prends rien. Bugs. Mais, Bugs, Fortnite. Oh, il y a le bot, en plus. Oh, le spawn de fou, les gars. On n'a pas énormément de bulles, faut faire attention. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud de fou. Je suis là, mon frérot. Ok, un petit kit, ça va me faire du bien, ça. Ça, ça va mettre bien un petit kit. Ah, je suis bot. Non, 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 non. C'est mon bot, les gars. Ok, Saitama. Nice. Et il reste un bot ou c'est un mec? Oh c'est le bot, ok. Allez, meurs frérot. Nice. Ok. Ok, il y a un autre mec, attendez, on va le tuer. Oh, en plus en légendaire, les gars, ils vont envoyer. Ah, je me demande, il met combien de dégâts maximum dans la tête? Je crois que c'est 175, 177 si je dis pas de bêtises. Exactement. Ok, viens ici mon frérot. Ah, le problème, c'est les éoliennes. Ah ouais, tu vois, là j'étais sur le mec. Hein. Ah, je suis désolé, là, les gars, mais j'étais en plein dedans. Ah, il est trop dur à utiliser. Ah, il est trop dur à utiliser, les gars. Ah, en fait, il faut viser, j'ai compris. En fait, je vous explique un peu la particularité de ce pompe. On va prendre un autre pompe, par exemple, celui-là. Regardez, quand tu tires avec ces pompes-là, tu vois, t'as une dispersion des balles. Alors que quand tu tires avec ce pompe là, t'as une balle qui part. En fait, c'est comme un peu une balle de sniper. Ce qui veut dire, si tu tires en no scope, bah t'as très peu de chances de toucher, à moins que tu sois peut-être corps à corps. Tu vois. Du coup, avec ce pompe, en fait, il faut viser. Il faut viser et espérer mettre une grosse balle. Mais il faut bien être dessus aussi. Enfin, j'ai l'impression que j'ai fac. Voilà, pas ça tout de suite. Heureusement que j'ai un peu de bulles. Enfin, ça n'a pas tiré. Allez mon frérot, viens fight. Ah, il y a un autre mec avec sa tronçonneuse. Pourquoi il y a personne qui veut fight? Ok, 38 quand même. Ok, j'arrive mon frérot. Oh bon, il a l'air un peu nul. On le stop. Ah, ça touche quand même. Hein. Nice. Le pompe, j'aime beaucoup. Hein. Pour l'instant, de ce que je teste, je suis fan. Après, mais je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont pas ajouté ça en mode classé. Parce que pour des unités, les gars, ça aurait été incroyable un pompe comme ça. En plus, c'est un pompe méga skillé, tu vois. Il est pas facile d'utilisation. Un mec qui a une mauvaise AM, il pourra pas utiliser ce pompe. On va aller vers la ferme des Freaky Fields. Normalement, il y aura du beau monde. Voilà, avec la petite tronçonneuse en mode rotation. En plus, ce que j'aime bien avec ce pompe, les gars, c'est que il tire plutôt rapidement, regardez. Et les balles se rechargent aussi rapidement. Et ça c'est bien, tu vois, les pompes qui se rechargent en 15 minutes, c'est bon. Alors on va prendre la petite voiture, on va aller faire Freaky Field, il doit y avoir du monde normalement.
Alors toi, frérot, tu vas être le cobaye. Le cobaye. Voilà, moisson. Oh, bah, ça arrache quand même. Il y a un autre mec. Nice. Oh, j'aime trop. Oh, mais il est trop fort. Ok, Freaky Fields. Il y a un petit médaillon qui est là-bas. Il y a le raft aussi. On pourra aller les jouer. Allez, il y a du build. Il y a sûrement du people. Peut-être qu'ils se sont cassés. Hein. Peut-être qu'ils se sont cassés. Ok, je vois personne en tout cas pour l'instant. On va aller vers le médaillon sensu. Ok, allez, mon petit frérot, j'arrive. J'ai besoin de tester mon compte. J'aimerais bien mettre un max damage une fois pour voir. Il est où? Il est là? Luigi, peut-être en bas? Il est là? Oh non, non, mais j'aime trop. Oh, le train, il est stylé par contre. Oh, le train aussi, il est. Ah, il est. La mise à jour, elle est trop bien, les gars. Je me crois vraiment que c'est la meilleure mise à jour Halloween hein, qu'on ait connue. Hein. Entre les armes, l'esthétique, le mode reload, franchement, le combo, il est incroyable. Là, tu vois. Fortnite, vous avez géré, et j'ai l'impression que là, ces temps-ci, ils sont dans une bonne période. J'espère que ça va continuer, et que le chapitre 6, il va être ouf. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, ils se sont remontés un peu les bretelles, on va dire. Le médaillon, il est toujours... Ah, il est devant moi. Ok, ça, c'est bien. Oh, il a une petite voiture. Allez, vous faites reviens fight. Attendez, j'ai essayé de tirer mon roquette. Oh, je pensais que ça allait toucher. Que ce serait un peu trop cheaté. Ok, il y a un autre mec. Oh, il veut pas se fight. Ah, le problème, c'est que moi, j'ai pas de roquette. Ah, frérot, toi, t'as le médaillon pour ça? Non, 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 ils vont se tuer. Ah, oh, il l'a arraché. Allez, frérot, moi, tu vas devoir te fight avec moi. Ok, il s'est joué un minimum. Nice. Ah, oh, ça va être un beau fight. Hein. Ah, là, j'aime bien ce genre de fight. Allez, petit roquette. Oh, dommage. Wouh 177. Mais je vais lui max damage, les gars. Oh, mais... Oh, la balle de fou qu'il a prise. Oh, j'aime trop ce pont. En plus, c'était un beau fight. Oh, j'aime trop. Oh, je suis fan. Oh, le kiff. Oh, le kiff de fou. Allez, on va quand même aller tuer le petit médaillon. Attends, il est où? Il est là-bas, ok. Bon, j'ai l'impression un peu qu'il va pas vouloir se fight. Pourtant, je l'ai même pas touché. Hein. Faudrait peut-être que je le boxe, comme ça il peut pas s'enfuir avec son jetpack. Ah, le problème c'est qu'il a un jetpack, les gars. Je vais jamais le rattraper. Hein. Ah, mais comment tu veux que je rattrape un mec avec un jetpack plus fizz plus les boules rouges? Ah, ça c'est un combo, les gars, pour bien fuir. Hein. Non, t'as vu? Ouais, il faut être précis parce que là. J'avais l'impression que j'étais dessus quand même. Oh, 177, c'est trop fort. Encore 177. Wesh, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, les gars, cette game? Vas-y, on va prendre le petit jetpack. En fait, j'ai l'impression que comme je sais que c'est un pompe qui demande une précision de fou, j'ai l'impression que je me concentre bien sur mes balles. Tu vois, je tire pas au hasard. Oh, j'allais lui voler. Non. Nice. Ah, c'est dommage, je vais pas voler le kill. Allez, il reste 6 mecs. Là, je veux des Mongrel Prime. Je veux du gros bull fight en face. Comme ça, on peut vraiment tester le compte sur des joueurs plutôt forts. Ok, ça se tue, c'est dommage. J'aimerais bien avoir tous les kills restants. Peut-être vers la petite ferme ici. Freaky Field. En tout cas, j'aime beaucoup cette ville. Il faudrait que je spawn une fois ici d'ailleurs. Ça peut être pas mal, je pense. Ok, il y a personne. Alors, je vais faire un petit coup d'œil sur le guild. Il n'y a personne vu qu'elle vient d'apparaître. Ah là. Alors toi mon frérot. Ah, tu veux mettre de l'essence? Attends, j'ai un petit rocket. Oh, j'arrive. Ouh. Oh là, je lui ai mis une sale balle dans la tête. Il faut que je me casse. Il y a un autre mec en plus. Ok, il y a deux mecs. Non, but! Là, il va prendre la confiance, voilà.
Non, ça va pas tirer. Ça va pas tirer, les gars. Je vous demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ça va pas tirer. Mais bon, ça, je pense pas que ce soit du Mongrel Prime. C'est plus Courto Prime. Mais vas-y, c'est cool, il se défend un peu, tu vois. Oh, dommage. Non, il se débrouille, le petit frérot. Ah, franchement, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, il était plutôt... Ouais, il était plutôt bon, hein, on peut se dire ça. Ah, par contre, je me suis fait... Je vais d'abord mettre la mini, c'est pas grave, il y a le cactus normalement là-bas. Allez, il reste 4 personnes. Un petit game à 17 kills, c'est plutôt cool, hein. Sachant qu'on est plus en mode découverte, mode on chill, quoi. On est ensemble, on passe un bon moment. C'est quoi ça? C'est des mecs, non? Ouh, ah ouais, ah ouais. Toi, mon frérot, t'es tellement mort. J'étais pas déçu, là. Oh, voilà, il y a... Tixi, va falloir se réveiller, là. Ah, il va se prendre le colis, le petit frérot. J'arrive. J'arrive, j'arrive, tu vas pas l'avoir ton petit colis, peut-être tu vas l'avoir mais tu vas mourir après. Il a cassé le colis pour pas le prendre. Bon, j'ai pas trop compris, mais ouais, pourquoi pas. Peut-être qu'il m'a vu arriver, il a eu peur. Oh, il a dû partir bien loin, si j'arrive pas à le scanner d'ici, c'est qu'il est déjà à l'autre bout de la terre, je pense. Non, vous tuez pas, vous tuez pas, vous tuez pas. Ça a tiré d'où d'ici, non? Voilà. J'arrive, mon petit frérot. Ah, c'est un bot, ça. Ouh, ok. Tu vois, là j'étais dessus. Avec un autre pompe, là, j'ai touché. Ok, bon, je crois que c'était deux bots, 1v1. Franchement, les gars, le pompe, si je dois mettre une petite note sur 10, un 9. Et 9, c'est énorme. 9 parce que bah, il est trop fort, il est trop skillé. Allez, j'enlève un point parce qu'il est un peu dur à utiliser, tu vois. Après, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Mais franchement, il est plaisant à jouer. Allez, frérot, tu vas devoir te fight en 1v1. Allez, mon petit frérot. C'est bien, tu vas le faire. On y croit. On y croit, mon frérot, tu peux le faire. Tu vas où? Ah, j'arrive pas à le toucher. Ah, il a balai, il a jetpack, lui il a l'artillerie du mec qui veut pas fight. Ok, viens mon frérot. Ok, il est là. Allez, viens fight. Ah, il a un rocket. Coucou. Eh les gars, c'est tir aux roquettes, je meurs ou pas? Coucou. Ouais, il a crash, je crois, les gars, parce qu'il a jetpack illimité, regardez. Il a jetpack illimité. Oh, c'est dommage. Oh, je vais gâcher sa game. Après, c'est pourquoi il crash à ce moment-là? Ça se trouve, il a juste déco, hein. Il s'est dit, vas-y, j'ai pas envie de me faire tuer. Mais tu vas te faire tuer, frérot. Si tu ne tues pas, t'es mort. Bon, franchement, incroyable. Ah, je suis un peu déçu parce que je voulais le tester en classé. Je me suis dit, ok, ça peut être cool. J'ai été en classé et il n'y a pas le bot. En fait, je crois en classé, il n'y a pas les bots. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on aura quand même kiffé cette vidéo. Et franchement, pompe de fou. Je crois qu'il est dans le mode reload aussi. Du coup, on pourra le tester en classé. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement. Un petit code créateur qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, les gars.